Salut, salut! Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, vous me faites signe si vous êtes là. Faites-moi un petit bonjour. Comment ça va? Vous avez passé un bon week-end? Je sais que dimanche aujourd'hui, votre dimanche à vous est assez nuageux, frisquet. Alors, on va mettre un petit peu de chaleur aujourd'hui, un petit peu de chaleur méditerranéenne dans votre foyer. Alors, ça commence à rentrer. Parfait. Dites-moi bonjour. Bonjour, Hélène. Je vais vous saluer. J'en profite. Alors, Hélène Brochu, bonjour. Bonjour, René Lépine, Julie de Rome, Daniel Brousseau, Carole Larouche. Allô, Louise, Nicole Laprade, bonjour. Alors, Denise, je vais vous nommer parce qu'on a le temps, de toute façon, le temps que les gens arrivent. Bonjour Sylvie Charland, salut Hélène Lemieux, je suis contente de vous voir tout le monde, Manon Deslauriers, René Lépine, Denise Tremblay, alors voilà, ça s'en vient. Bonjour Marc, Jean-Paul Pelletier, super, ben, je suis contente, bienvenue encore une fois à un de ces vidéos en direct sur la Costa del Sol. Vous êtes en direct de la Costa del Sol présentement, ni plus ni moins. Il fait beau, il fait pas chaud chaud, bonjour Lise, mais on est très bien quand même, on est sur la Costa del Sol. Aujourd'hui, on est encore en cuisine, bonjour Michel, et on va cuisiner des choses pour l'été. Vous avez vu mon titre, fraîcheur d'été. Alors on va cuisiner quelque chose qui va vous donner la chance ça sonne-tu déjà? Non, pas déjà. Mon boss m'appelle? Ben non. Et c'est juste accroché dans la cloche. Bon, fait que c'est ça, c'est des fraîcheurs d'été que on va vous faire cette semaine. Fait que je pense que vous allez apprécier beaucoup, beaucoup. Et quelque chose que vous allez faire sûrement en famille cet été, puisque nous aurons sûrement l'occasion. Le boss est pas loin, on le voit dans la cuisine en arrière. Salut, boss! Viens me rejoindre! Tiens, le voilà notre chef. Salut! Bonjour Canada, Québec! Ça va? Ça va bien, tout le monde ouais. Était content d'être là. Bon, salut Michel! Bon, garde donc ça si c'est le fun. On aime ça vous voir passer. Salut Denise, Carole, Nicole, bonjour. Hein, il va tout passer, nos belles Colette, personnes. Carole Labrie, non? Oui. Super. Sylvie Charland, bonjour Sylvie. Oui, Miguel se rappelle de Sylvie Charland. Hey Sylvie, c'est pas bon signe quand quelqu'un se rappelle de nous autres de même. Ah, Isabelle Paquin aussi. Oh Isabelle, salut bonjour, Isabelle. Muriel. Alors. Ah Louise. Ça me fait plaisir. Gertie, Marie-France, écoute, c'est super. Alors vous êtes nombreux encore à nous regarder aujourd'hui, on est contents. Aujourd'hui, on va aller sans plus tarder à la cuisine. Je m'excuse, je vais aller à la cuisine. Parfait. Je vais faire des petites choses et toi... Je vais te rejoindre. Oui, OK. D'accord, okay. À tantôt. Allez, on se voit. Ouais. En 30 secondes. Ouais. Une minute. Avec moi, c'est une minute. Salut René, salut Jocelyne, bonjour Suzanne. Alors, c'est ça. Fait que sans plus tarder, on va aller à la cuisine. Je veux juste vous rappeler... Si vous venez d'arriver, vous êtes en direct de la Costa del Sol. On est en cuisine avec CDS Travel Tour, Miguel et moi-même. Et n'oubliez pas, si vous avez manqué votre vidéo en direct cette semaine, vous avez la possibilité de retourner le voir sur YouTube, notre chaîne YouTube. Alors, c'est Hélène Mathieu, CDS Travel Tour. Salut Jean! Bonjour Carole! Alors, ça me fera plaisir si vous pouvez aller voir la chaîne. Abonnez-vous! Activez les notifications et comme ça, vous allez recevoir toutes les informations nouvelles quand on fait des nouvelles choses. C'est super le fun. Profitez-en, on l'a. OK, alors on s'en va en cuisine. Je veux juste vous montrer avant de rentrer, je vais tourner la caméra. Regardez, on a la miche. Je ne sais pas si vous la voyez ici. La miche qui est couchée sur sa chaise. Alors... Écoute, hein, il y a des affaires pires que ça dans la vie, hein? OK. Alors, on s'en va en cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner l'été. Parce que, regardez, il fait... On va allumer la lumière pour les besoins de la cause. Je vais tourner la caméra pour vous montrer. Tiens, elle vient de se réveiller. Je l'ai réveillée.
Tiens, bonjour, Minnie. Bonjour, cher Jean. Montre-moi tes beaux yeux bleus. Montre-moi tes beaux yeux bleus. Minnie. Oh, les beaux yeux bleus, oui. Regardez le beau soleil qui fait. Il est 5 heures présentement. Alors ça, c'est la terrasse d'en avant. Vous avez vu celle de la semaine passée en arrière. Mais le soleil donne l'après-midi ici. Bon, fait que là, écoutez. Aujourd'hui, on va vous faire... Le chef est après se préparer. On va vous faire une salade d'été. Hein, ça vous dit tout de suite quelque chose. Regardez ce qu'on a ici. Alors, c'est une salade d'orange. Il va y avoir des ajustements que vous allez pouvoir faire. Hein? Allô, Mariette? Oui, elle est belle, hein? Alors, il va y avoir des ajustements, si vous voulez. Regardez, vous voyez ici, il y a des anchois. Là, vous allez dire, « Oh non, Hélène, j'haïs les anchois. » Bien, pas de problème. On mettra d'autres choses. Pas grave. On va vous donner des alternatives. Exactement. Hein? Il y a des oignons doux, de l'orange, du jus d'orange, bien sûr, l'huile d'olive. D'accord? Alors, on va commencer, Miguel. Oui. On a une spectatrice, hein? Regardez, Bobette est ici. Bobette Marley est supposée d'être l'autre côté. Fuera, vamos, fuera, Tole. Fuera de la cocina, Tole. Fuera de la cocina. Vamos, Tole. Bon. Siéntate. Alors, elle est plus aussi écoutante qu'avant, tu comprends, elle a 15 ans. Hein? Elle écoute plus. Écoute, elle n'écoute plus grand-chose à 15 ans. Comme son père. Comme ma femme. OK, on rigole plus, on va être sérieux, même si c'est une ronde de fou. Non, il ne faut pas être trop sérieux. Même si c'est une ronde de fou hein, avec des amis. On a pensé aujourd'hui de faire une salade d'oranges. Ouais. Les oranges, généralement... On fait des salades de fruits, ça c'est vrai, mais c'est une salade avec la feuilleté d'olive. Avec l'huile d'olive. Et sin caliente, c'est une salade en frío. Froide. Pero esta ensalada tiene en Málaga una tradición, y la tradición sur la gastronomie de Málaga, que on utilise la merue, non? La morue. La morue sec et salée, que vous connaissez certains. Ben oui. Mais comme on connaît très bien que ce type de poisson sec, salé, chez vous, c'est à peu près impossible de le trouver. Mm. Et si on le trouve, ça va coûter cher et ça va être comme trop commercial. Mm. On a une deuxième option aussi en Malaga, avec les anchois. Ouais. Ok. Et ou bien avec les thon. Mais une chose que je vous conseille, si vous n'aimez pas les anchois, vous n'aimez pas le thon, vous ne trouvez pas la morue sec salée, c'est le saumon. Le saumon fumé. En fait, c'est délicieux avec ça. Mais si c'est possible, coupez en petits carrés. Ouais. En fait, il y a un dénominateur commun, Miguel, dans salé, tout ça. C'est salé. Hein? Acide. C'est ça. Sucré. Et voilà. Hein? C'est toujours c'est délicieux. Hein? Vous allez voir le mélange des jus. En fait, on va commencer parce que ça va vous donner vraiment l'eau à la bouche. Alors là, pour commencer, on a... On prend pour 4 personnes, vous allez voir, 4 oranges. 3 pour couper, 1 pour faire le jus. OK. Le là, jus là, on en a 2 là, parce qu'on le fait pour 2 nous autres. Deux. Mais là, je reviens que la recette sera sur Facebook et sur YouTube. Exactement. En courant de soirée dans mon cas là, pour Malaga, pour vous donner la recette. Vous cliquez tout simplement sur le vidéo et vous allez avoir la recette écrite qui va sortir. D'accord? Allô, Loulou. Bonjour, Muriel. Alors, comme ça, nous, on va la faire pour 2, mais la recette est toujours pour 4 personnes. D'accord? C'est celle qui sera sur YouTube et sur Facebook. Donc là, on épluche nos oranges, mais aussi, Miguel a pris un petit peu d'avance. Il a pris le jus d'une orange ici. Ça, c'est seulement qu'une orange, non, Miguel? Exactement. Parfait. Seulement, oui. C'est une orange. On l'a mis à part. On peut couper les oranges en des carrés. Moi, je veux faire une décoration pour une personne, OK? D'accord. Pour une personne. Qu'est-ce que tu veux dire pour une personne? Ben, je veux faire, parce qu'on a pris 2 oranges. D'accord. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Je veux faire la présentation pour une personne. OK. OK? Alors là, pour décorer, pour mettre ça joli, on va couper les oranges. Voyez-vous, Miguel l'a coupé là, dans le bon sens hein, pour avoir des filets d'oranges.
OK. que c'est appétissant. Si vous... Je sais que les oranges au Québec sont peut-être pas aussi bonnes que celles-ci, mais en tout cas, hein, on s'habitue à tout. Oui, les oranges sont tellement bonnes, Louise, certainement. On le voit, hein, déjà dans la vidéo, comme ça, c'est super appétissant. Puis aussi, ça, c'est pour la décoration, Miguel. Regardez, là, il va le mettre dans son petit moule de métal. Puis on va voir tantôt ce que ça donnera. Mais pour la salade, en général, on va faire des morceaux tantôt, hein? On va couper l'autre orange en morceaux, tout simplement. Alors là, Miguel est en train de retailler pour garder le bon morceau et que ça fitte aussi dans le moule. Allô, René-Ève, gros bisous! Je vous vois, fait que vous pouvez me poser des questions si vous avez quelque chose à demander. Oui, allô, Margot? Si vous avez quelque chose, allez-y, gênez-vous pas. Je suis là, je regarde la caméra. Alors là, maintenant, c'est l'oignon. Écoutez, on a eu une petite discussion, Miguel et moi, sur les oignons au Québec. Dans cette salade-là, il ne faut pas que ce soit des oignons forts. S'il est trop fort puis que vous n'avez pas d'échalote, ben à ce moment-là, vous mettez un demi-oignon pour quatre personnes. Mais sinon, moi, je vous conseille vraiment de l'échalote. Fait que là, ce qu'on a, c'est de l'échalote. OK? On a pris comme un gros échalote. Tout est gros ici, tu comprends? Allô, Diane! Gros bisous! Fait que tout est gros dans les fruits et les légumes. Fait que, écoute, on n'a pas le choix, on le prend comme ça. Fait que prenez de l'échalote, c'est plus doux. Le mélange passe mieux. D'accord? Alors là, on vient de faire... Oui, on dirait du fenouil, hein, Carole, mais c'est vraiment l'échalote. Regardez, on va le voir un peu mieux ici, là. Tiens, regarde. C'est vraiment l'échalote, mais c'est un oignon, mais il est très doux. Il se mange cru comme ça, là. Alors là, Miguel est en train de couper des olives noires parce que bien sûr, avec toute cette belle salade orange et tout, ben ça prend des couleurs contrastantes. Donc, on y va avec un petit peu d'olive noire coupée. Ça, c'est pour faire cute, tu sais. Miguel, du blanc de poireau, on me dit, est-ce que ça pourrait aller du blanc de poireau? It's okay. Comment se llama eso? Le poireau. El puerro. El puerro, El blanco. si no quieres la cebolla tan fuerte, si Wow. vous désirez pas l'oignon, si est trop acide ou trop fort, on peut utiliser les oignons doux qu'on a ici dans l'Andalousie, mais chez vous c'est difficile à trouver. Ouais, mais Ou bien, c'est le poireau, oui, ça le pourrait poireau, mais aller? ça va pas donner un goût très Ça mauvais. donne pas le même goût, Non, hein? ça donne pas Il le y a même quelqu'un goût. qui a donné le truc ici, là, de laisser tremper votre oignon 30 minutes, et c'est vrai, dans Oui, l'eau froide, hein? ça va perdre beaucoup C'est de. vrai que s'il est trop fort, allez-y, il n'y a aucun problème. Meilleur zumo de limon. Là, on y va avec un demi-citron, le jus d'un demi-citron. Là, je vous entends penser encore. Vous allez dire, mon Dieu Seigneur, c'est pas normal qu'il y ait du jus autant dans un citron. On mélange le jus. Tu mélanges pas tout ton jus? Bien mettre là, non, Ah. comment non, par deux personnes, non? Ah, OK, là, c'est ça. C'est parce que là, il a mis les ingrédients de jus pour quatre, mais c'est pour nous deux, là. Couper des Donc, pincettes de sel. une pincée de sel. Parfait. Un peu de poivre. À la fin du live, nous aurons un petit tirage, si ça vous tente encore. Ça vous tente-tu? Un tirage? Dites-moi si ça vous tente. J'imagine que vous savez de quoi je parle. Dites-moi si ça vous tente, oui ou non. Je te l'ai dit, tout est mieux en Espagne. J'ai juste une petite réserve pour le ski. Ben oui, ma Margot. Alors là, Miguel ajoute un peu d'huile d'olive. Les quantités, je vous rappelle, vous allez les avoir tout à l'heure sur la recette papier. Oui, ah oui. OK, tout le monde me dit oui, tout le monde va avoir la surprise. Qu'est-ce que je vais faire tirer? Dites-moi. Dites-le-moi. Si, j'attends. Dites-moi. Qu'est-ce que je vais faire tirer? J'attends. Allô, Denise? Oui, OK. Pendant que vous me le dites, Monsieur Chavez a quelque chose à me dire. On Allez-y. reprend les anchois, dans ce Oui. cas,
OK? Mm-hmm. Et on va le faire en petits morceaux. Parfait. Oui, c'est ça, le masque. Vous avez deviné. Alors, à la fin du live, on va faire tirer un beau masque. Oh, que c'est beau! Regardez ça. Les anchois. Ça, c'est pour faire ça cute, hein? Pour faire une belle présentation. C'est certain que les anchois se marient extrêmement bien. Le jus de l'orange avec le jus et l'huile d'olive, le jus de citron, mélangé à tout ça, c'est délicieux. Fait que ça, ça fait vraiment été, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Non, Mariette, pas un voyage sur la Costa del Sol. T'es comique, toi? Elle veut un masque ou bien un voyage à la Costa del Sol? Oh, wow! Tiens, regardez la belle salade d'orange décorative. C'est-tu assez beau? Et c'est très, très goûteux puisque ce sont... L'anchois, c'est très salé, oui, Laurent, mais il n'y a aucun sel à part de ça et ça se marie avec les citriques. Hein? Oui, les anchois sont dans l'huile, effectivement. Aceite d'oliva. Ouais. Un girasol. Si les anchois sont conservés dans l'aceite de girasol. Dans l'huile de tournesol. De tournesol, sont plus salés. C'est... Ah oui? C'est ah vrai. Bon. Et alors, il faut les acheter, les anchois, exactement, dans l'huile d'olive. Et avant de vous le conserver dans le frigidaire, la boîte. Et ça se conserve très bien. Indéfiniment. Mais c'est important, si vous ne voulez pas trop saler, de prendre le filet, ouais, comme ça, et on le passe à l'eau un petit peu. À l'eau un petit peu. Ah, d'accord. Okay. Et ça va partir la sel. Ça va en enlever si beaucoup. Si vous avez la possibilité, sont les plus chers, mais les anchois. Mm-hmm. Del Cantabrico. Oui, oui, oui. Sont délicieux. Artisanales. C'est ça. Ils sont pas salés. Ouais. Ils sont pas salés. Parfait. Alors, vous avez bien compris. Je vais vous remontrer l'assiette de présentation, l'assiette jolie. Si vous recevez des gens cet été, hein, si vous recevez cet été, vous présentez ça dans des moules comme ça. Alors, vraiment, c'est Elena, ça se présente très, très bien. Margot, mon mari n'est pas chef, mais il a fait son école de tourisme à Belgique. Fait que c'est pour ça, puis il adore cuisiner. Fait que c'est presque un professionnel. Le jus, oui. Le jus, on ne le laisse pas tomber. Ben non. C'est le jus de la fête d'oliva. Garde-toi le jus ici, garde. Pimiento et limon. Oh. C'est un jus très bon. Tellement. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On le boit même le... Oui, on le mixe. On va faire une présentation. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal, mais on va faire... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas l'idéal. À verlo, comment? Mais là, Miguel, on fait-tu quand même l'autre présentation avec l'orange en morceaux? Oui, pourquoi? OK. On va le faire en morceaux. Ici. OK. On va le faire dans cette assiette-là, ici. Alors, pour vous montrer que... si vous voulez voir ça moins fancy, comme on dirait, ben à ce moment-là, on va y aller avec une salade normale, avec des morceaux normaux, des morceaux d'orange. Tiens, voilà. Hein, sais-tu? Écoute, on est allé au marché hier, vous avez vu mon story que j'ai fait, pas mon story, mais c'était un petit vidéo que j'ai fait hier. Alors, j'étais à Malaga et on est allé faire nos achats de fruits au marché public. C'est tellement extraordinaire. Hein, n'est-ce pas, J.R.? Je sais que vous êtes adepte de ça. N'hésitez pas à partager, hein, pendant que vous êtes là. Partagez ce beau vidéo-là pour que les gens puissent profiter de cette belle recette méditerranéenne totale. Et comme ça, on aura aussi plus de monde. Fait qu'allez-y, partagez. Si vous le faites, dites-le moi, ça me fait plaisir. Et je vous rappelle que vous êtes toujours en direct de la Costa del Sol avec Miguel et Hélène. Alors, on est en train de vous cuisiner des plats d'été. Hein, un plat, une salade. Fait que voyez-vous, cette présentation sera pour la famille. Hein, plus la famille. Et celle-ci, si vous voulez être... épater la galerie, ben vous sortez vos moules et vous faites quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Merci Denise d'avoir partagé. Allez-y, partagez les amis. Donc, là, on coupe. Savez-vous comment c'est ridicule comme recette? Ça se fait tellement rapidement.
mais tellement bon. Alors, on va ajouter un peu d'oignon coupé comme ça, ou vous pourriez le couper déjà en rondelles. C'est au goût de chacun. Denise, j'ai pas vu passer ton commentaire, Denise Como. Là, j'ai vu book, puis je sais pas trop quoi, là. Je l'ai regardé en retard. Fait que Miguel est en train de couper ça comme ça. Et voilà. C'est vrai que ça donne un beau petit fini. Et la sauce, qui est un mélange de jus de citron, jus d'orange frais, huile d'olive, de sel et de poivre. Et là, si vous désirez les anchois, bien sûr, ce que Miguel est en train de couper, ou si vous n'aimez pas les anchois, on peut y aller avec du thon. Surtout, mais fumer, le saumon fumé, c'est l'idéal. La barbe lui va bien, hein, Carole? Oui, je le sais, je l'aime assez, sa barbe. Moi, je trouve ça beau. Ça pique même pas. Il l'entretient, puis ça pique même pas. Tiens. Voilà. Hé, hey Miguel, bonjour Nathalie. J'espère que tu vas mieux suite à ton vaccin. Nous autres, on va très bien. On a été vaccinés, vous savez. Vous avez vu passer ça cette semaine avec AstraZeneca. Le lendemain, on a filé cheap un peu, mais après ça, ça a bien été. OK? On est sur le piton, là. Puis comme je disais, ben je pense que j'ai rajeuni de 20 ans. Bon, voilà. Alors là, mélanger avec les mains, ça, c'est le truc de Miguel. Jamais mélanger avec des cuillères. Les mains, vous lavez toujours bien vos mains avant et vous faites un beau mélange. Puis là, ensuite, ben, vous replacez le tout. Certains, Louise, avec du saumon, c'est délicieux. Le truc du salé, et puis écoutez, je le sens d'ici, là. C'est super. Miguel, étant donné que... Je suis en train de penser à ça, là. Étant donné que la recette d'aujourd'hui, la salade, elle est courte, qu'est-ce que t'en dirais? Je te vois venir. Non. Je la vois venir. Non. Minot? Quoi? Hein? Pitou? Qu'est-ce que t'en dirais si on faisait une autre petite recette, mais bien courte? Ah, c'est l'heure du chin-chin? Salut à tout le monde. Prosperidad. Salut et mucho amor. Bon, beaucoup de santé aussi, hein? Ça, c'est le petit brandy, comme d'habitude. Ouais. J'en ai pas, moi. Peux-tu en avoir un petit peu? Oui, c'est sûr. Bon, OK. Ouais. Mais on en prend juste une petite gorgée, là. Je vous reviens, ça pas long. Bon, OK. Ce que je m'en allais dire quand mon chum m'a coupé, qu'est-ce que t'en dirais, Miguel, si on faisait une belle recette de gazpacho? C'est court à faire. Non, mais ça dépend de l'audience. Est-ce que ça vous tente, les amis, gazpacho? Dites-moi si ça vous tente de savoir comment ça se fait une recette de gazpacho. Tiens, regardez, on va aller voir. Regardez le beau plat. Hein, qu'est-ce qu'on est allé acheter hier, bien sûr. Tiens. Hein, ça, la fancy ici. OK. Et ça, le plat plus familial. Fait que ça vous tente? Oui. Alors, oui, chef, t'as pas le choix. OK. Donne-moi 5 minutes à préparer toutes les choses parfait. Propres. Pour pas mélanger les saveurs de les oranges avec le gazpacho. D'accord. 3-4 minutes, parfait. Je suis prêt. Bon, pendant ce temps-là, on va jaser. Hein? Mademoiselle, ici. Tu peux faire, non, je vais attendre à la fin. Je veux pas leur faire le tirage. Parce que je sais que vous voulez avoir votre masque. Avez-vous partagé, les amis? Dites-moi ça. Oui, une vraie gazpacho. Ça vous tente, hein? Bon, OK. On va revirer ça de bord en attendant. Que... Avec 2-3 trucs, on va le faire. Oui? Hein? Oui, oui. Mais quoi? Comment... 2-3 petits conseils pour le gazpacho. OK. Oui, avec 3, avec 2 ingrédients différents, c'est tout. OK. Bon, fait que je te montre en même temps. OK. OK? Fait que là, ils vont voir tout ce que tu fais. Le jus d'orange? Oh oui. Tiens. Mais je sais pas, mélanger ça avec du brandy, qu'est-ce que ça fait? Non, ça fait rien. Du bon jus d'orange frais. Hey, oui, hein, Diane, avec le beau temps qui s'en vient, vous allez apprécier d'avoir le gazpacho, hein? Fait que j'ai une bonne idée, ça vous tente? Génial! Ça prend pas vraiment de temps. C'est pour ça, tu sais, on a déjà 20 minutes, 25 minutes de passé, là. Alors, on va pas s'éterniser, mais vous allez apprécier. C'est pour ça, recette d'été, pourquoi pas?
Une bonne gazpacho espagnole. Fait que quand vous allez la faire, là, c'est vrai qu'avec ce menu-là, hein, le menu qu'on voit ici, ben là, vous allez épater la galerie, puis c'est vrai. Hein? Fait que ça va être génial. Bon, fait que comme ça, on va préparer le tout. Bonjour Yvonne. Ouh, oui! Dans quel coin de Torremolinos? Moi, je suis Yvonne, dans la Carihuela. On parle de l'hôtel Espada. Alors, pas loin de l'hôtel Pes Espada, peut-être ça ne vous dit rien, ou Sol Timor, à 200 mètres de la plage. Je ne suis pas en face de la plage, là, mais on n'est pas loin. Merci, merci de partager, les amis, génial. Partagez pendant qu'on se parle. Vous êtes en direct de la Costa del Sol, quand même. On rit plus. Et on est en train de vous faire des recettes typiques andalouses, typiques méditerranéennes. Et en plus, tu nous vois vraiment ou tu nous... non! Margot, je te vois pas, mais moi, je veux vous voir. Fait que je m'arrange avec les petites photos à côté que j'ai de votre nom. Je te vois, Margot. Mais je te vois pas en vrai, là. J'ai pas vu ton kit, ton déshabillé, là, etc. Alors, mais vous autres, vous me voyez, puis c'est vrai. OK? Alors, ça veut dire que on va y aller avec la fameuse gazpacho typique espagnole. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, je pense qu'il y en a qui viennent d'arriver, vous êtes en direct de la Costa del Sol avec CDS Travel Tour. On est en train de cuisiner. On va cuisiner, on a cuisiné déjà, et je vais vous le montrer encore une fois. On a cuisiné cette belle salade d'été, celui-ci en présentation et celui-ci pour un plat beaucoup plus familial. Et là, ça suit pour faire une gazpacho. Oh, je viens de revirer de bord, bougez pas. OK, c'est bon, me suis accrochée dans le piton. Ouais, c'est ça, Denise, avec les yeux du cœur. Je te vois avec les yeux du cœur. Parfait. Si des fois, j'ai pas répondu à vos questions durant le live, ne vous en faites pas. Bonjour, Carmen! Ah, ben là, tu as réussi à nous retrouver! Alors, si vous me posez des questions que je n'ai pas réussi à vous répondre durant le live, ne vous en faites pas un petit peu plus tard. Je vais vous répondre sans aucun problème. D'accord? On est-tu prêt, chef? Oui! D'accord. Oubliez pas... je passerai vous faire coucou si je sais... Oui, c'est... Hey, Nathalie, c'est promis, hein? Quand tu viens sur la Costa del Sol, je sais que tu es en France, tu viens me voir. Hein, Miguel et moi, bien sûr. Bonjour, Carole. Ça fait plaisir, Carole Dulude. Alors, voilà. Donc, on va commencer. On va tourner la caméra. Miguel s'est préparé parce que je l'ai pris comme un cheveu sur le gazpacho. Oui, il m'a pris dans le gazpacho, oui. C'était confit. J'ai choisi, c'est des choses qu'on a toujours dans la maison. Les oignons, on peut utiliser les mêmes oignons qu'on avait avant. OK. Les citrons avec le vinaigre, ou bien le vinaigre, ou bien le citron. Oui. Le poivre, avec de l'olive. Toujours. Généralement, le gazpacho, ça va avec de pain. Okay. Mais moi, j'évite le pain et je le fais avec des amandes pelées et crues. Parfait. Okay? Ça fait le même effet de... Pour épaissir. Épaissir, et ça donne un goût très spécial. Parfait. Mais généralement, c'est le pain blanc, 50 grammes, 75 grammes, pain blanc, dans l'eau, bien pressé, après mixé avec les légumes. D'accord. Hein? Si toutefois vous désirez faire la recette... De l'aide. Juste une petite seconde, Miguel, si vous désirez, à un moment donné, au lieu de la faire avec les amandes, vous désirez le faire avec le pain, revenez-moi, vous me dites, Hélène, c'est quoi la quantité et je vous la donnerai parce que dans la recette, on l'a déjà mentionné. On l'a déjà mentionné. Génial, oui. OK, je m'en souviens. Après, c'est. Moi, je prends toujours dans le marché les tomates que personne ne veut avoir, oui. Qui sont mûres. Il faut que ce soit mûr. Voyez? Il y en a une qui est poquée. Là. Même poquée, on va les laver bien. Mais pour 4 personnes, c'est à peu près 1 kilo. Si vous ne trouvez pas de tomates. Mûr, frais, vous pouvez utiliser des tomates en conserve, non? Ouais. Pelées déjà, pelées. Ouais. Mais le goût, c'est pas le même. C'est pas mais n'utilisez pas des tomates pour les ensalades. Non. Non. Non, parce que ça n'a pas de jus. Ça, c'est pas juteux. Mais les saveurs, c'est plus...
à côté pas mûr, non? Okay. Des tomates bien mûres, OK? Bien quand mûres. Vous allez avoir, on va dire comme Miguel, quand vous avez des tomates qui sont sur le bord de tomber malades, exactement, c'est le temps de les passer dans votre gazpacho. Un pimiento. La même chose, regardez, nous autres, on en a un qui était un petit peu fripé, là. Gazpacho. C'est pas grave. Okay. Ah oui, dans gazpacho. 250 ml d'eau. Une tasse d'eau. Et après... bien, on peut les pépinos. Ah oui. Mais moi, je ne l'utilise pas beaucoup. OK, on peut ajouter... Mais c'est aconseillé d'utiliser pépinos. Oui, parce que c'est très frais, du concombre. Concombre, hein? Oui. C'est très, si très frais. C'est... Nous, on n'en a pas mis aujourd'hui. Parce que je ne l'avais pas. Non, puis je l'avais pas. L'ai oublié complètement de l'acheter hier. Ouais. Mais oui, c'est, c'est rafraîchissant, okay. Le okay. Concombre dans une gaspacho. Et après, le dernier mot, pour, si on veut... si on veut manger les gazpacho avec la cuillère comme une soupe, ouais. Ok. Moi, je l'aime beaucoup de mettre de petits carrés de pommes. Délicieux. Mais la tradition de foi, c'est que chez nous, dans ma maison, de mes parents, on prenait les gazpacho avant de manger. Ouais. Ça donnait, ça ouvrait l'appétit, non? Mm-hmm. Et c'était dans une glace, dans un verre. C'était très liquide. D'accord. Moi, j'aime plus les gazpacho pour le manger plus épais, ouais. Avec des morceaux de pommes. OK. Mais si quelqu'un veut pas de pommes, c'est plus liquide à ce moment-là. Plus liquide, ou bien il peut le faire avec la cuillère, ouais. Comme une soupe. D'accord. Mais pas de pommes, on peut ajouter des petits morceaux de tomates. Mm-hmm. Des petits morceaux de piment vert ou rouge, oui. Très petites coupées, et on va ça mixer, okay. Avec la cuillère. Génial. Aujourd'hui, nous, on va faire quoi? Est-ce qu'on va ajouter la pomme ou non aujourd'hui, Miguel? On va ajouter la pomme, oui, okay. Un petit peu, oui. Bonjour, Joyce, ça me fait plaisir de te voir. Ah ben, ça fait des lunes. Bonjour, Huguette. Alors oui, aujourd'hui, on va ajouter la pomme. Donc là, on vient de laver nos tomates. Il y a un petit morceau qui était un petit peu poqué. On va l'enlever. C'est pas grave du tout. Et vous allez voir comment on est en train de faire une gazpacho très typique andalouse. La gazpacho andalouse. Alors cet été, vous allez pouvoir épater la famille, les amis, si on peut réussir à inviter du monde. Eh bien, ou sinon manger dehors. Hein? Bonjour Lynn, ça me fait plaisir de te voir. Génial. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la gazpacho, recette d'été. Et tout à l'heure, on a fait une belle salade d'orange. Vous allez pouvoir retrouver les recettes sur Facebook ainsi que sur YouTube, sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la petite clochette pour avoir les notifications. On va triturer les tomates, oui. Avec la peau de la tomate. Oh oui. Mais d'accord. On n'enlève pas la pelure. Non, absolument pas. D'accord. Et après, on coupe le morceau, le diente de ajo. D'accord. OK. Et on va faire une chose pour pas que le goût est trop fort, parce qu'on va manger pas cuit, mais cru. Cru, oui. Ouais. On enlève le petit germe au milieu. Par exemple. Ah, d'accord. Enlever, oui, vu qu'on mange ça cru, hein, c'est d'enlever le germe. Solé, te puedes salir. Quitte avec qui. Juste un moment, je vais faire sortir. Sole fuera d'aquí. Yata. Tu comprends? C'est l'heure du souper pour eux autres. Fait que. Hey, quédataï. Bon. Fait que, il faut enlever le germe parce que ça va être beaucoup trop difficile à digérer. Et là, on vient d'ajouter des oignons ou des échalotes. Les oignons, à ce moment-là, Miguel, ça pourrait être de l'oignon fort, là, hein? Ça pourrait être sans problème, parce que ça goûte. C'est vrai, ça goûte fort, hein? Oui, c'est normal. Fait que si vous voulez pas ajouter... Je vais la laver les pigots. Si vous voulez pas ajouter de l'échalote, à ce moment-là, on y va avec un oignon. Les tomates, je n'ai pas pris les trois tomates. Oui, on va couper toutes les tomates. Le plus long, c'est de couper les choses, parce qu'à part de ça... Pauvre elle. Nathalie est vraiment maganée du vaccin, hein? Ça se peut-tu? Ça va passer. Cette personne, mais oui. Mais oui. Prends-toi un bon brandy, Nathalie, là. Tu vas voir. Bon, OK. Et là, maintenant, c'est au tour du piment à passer.
Donc, voyez-vous, c'est un petit piment fait sur le long. Si vous en avez un petit, pas trop gros. En fait, c'est toujours une question de goût, hein. Si vous aimez à ce que ça goûte plus un des aliments, vous en mettez un petit peu plus. Puis, n'oubliez pas que vous pouvez ajouter du concombre si vous voulez avoir la fraîcheur du goût. Mais là, j'en avais pas. C'est pas grave. Voyez-vous comme c'est pas grave, hein? Super. OK. J'espère que ça va bien. Bonjour Hélène, que ça va bien partir cette affaire-là. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Ah Carmen, ça a bien été toi? Génial, nous autres aussi. Nous autres, on a juste passé une journée ordinaire le lendemain, mais c'est tout. Et là, on ajoute un peu de vinaigre. Voyez-vous, on va ajouter la valeur de 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. 1, 2, 3, 4, 5 à le goût de chacune. D'huile d'olive, bien sûr. Mmh. De chacun. Avec du poivre. Voilà. Les amandes, ça, on met ça en dernier, non, Miguel? De l'eau, c'est en dernier. L'eau en dernier. C'est okay. Toujours pour, ça dépend de chacune. Veulent manger avec la cuillère comme une soupe épaisse, okay. On va l'ajouter de pommes. Okay. On veut prendre comme une verre d'eau, on va mettre plus de l'eau pour que ça soit plus liquide. Moi, personnellement, je l'aime bien liquide. Ben, ça chacune son goût. Tu sais, c'est rafraîchissant, c'est comme si tu buvais un verre de légumes, de jus de légumes, mais beaucoup plus concentré. Fait que là, on vient d'ajouter... Bonjour Marie-Andrée! Je l'avais tout de mettre... Oui. Une petite... Un petit peu de citron. Citron, c'est tout. Parfait. Avec même le vinaigre. Même si on a mis du vinaigre. Et là, on a mis les... On s'en va là-bas, on va aller passer ça au mélangeur. Voilà. M. Chavez. Et c'est parti. Pas encore. On va allumer le courant. Ah, c'est l'heure du petit boire. Hein? Ben oui. OK. C'est très important de faire une fine pâte. Okay. Ça veut dire que ça prend le temps de se bien mixer et bien triturer. Okay. Chose, n'oubliez pas que les gazpacho qu'on prend dans le restaurant sont filtrés. Ah oui. Et par la présentation. Mais si vous faites un vrai gazpacho maison, mm-hmm. Ça va être pas la même présentation parce que moi je l'aime pas filtré pour le goût qui reste toujours les séances, les goûts de tout. Le mélange de tous ces goûts-là. Même s'il a des petits morceaux de piment, peut voir qu'il a des piments. S'il a des petits morceaux de tomates, on peut dire qu'il y a des tomates dans les gazpachos. D'accord. Et c'est réellement le goût de la présentation de chacune. Vous voyez, on a fait une pâte, on va le faire comme ça. Réellement, tu vois? Ah, oui. Ça, on a besoin de petit peu de l'eau et mixer plus. Ouais. Hein? Il faut le liquéfier un peu. Oui, hein? Petit peu, oui, ça. OK, fait. On va liquéfier ça avec un peu d'eau. Ça, c'est prévu parce que ça fait vraiment une pâte. Voilà. Là, on rajoute la demi-tasse. Ouais, exactement. Pour commencer, puis on verra après. Voilà. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, parce que je le vois, là, vous êtes en direct de la Costa del Sol. On est en train de cuisiner
avec CDS Travel Tour, Miguel et moi-même. On est en train de cuisiner l'été avec des salades d'orange, présentation fancy et une belle gazpacho. Voilà. Alors là, on n'a pas eu besoin de mettre la tasse d'eau au complet, Miguel, parce que toi, tu l'aimes... Toujours, je l'aime épais. Comme ça, épais. Mais si vous l'aimez plus clair, on rajoute de l'eau. On rajoute de l'eau à l'euro de chacun. Voilà. Puis tes pommes, c'est quand tu pourrais les ajouter, là? Mais une chose très importante, si on ajoute de l'eau, ça peut être que le goût de vinaigre et de la feuilleté d'olive, tu vas le perdre un petit peu. C'est ça. En plus liquide, moi, j'ai fait la recette pour avoir... de type de gazpacho. On va falloir que je goûte à ça, là. Exactement. Ouais. Et après, on va couper petit morceau. Hola, Francis! OK, là, on ajoute des pommes. Puis si on l'avait voulu beaucoup plus clair, Miguel, mais sans enlever le goût, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ça? Parce que là, si on rajoute... 2 cucharas más de vinagre. OK, 2 cuillères de plus de vinaigre. Exactement. À peu près 400 millilitres de l'eau. OK. Avec les mêmes ingrédients qu'on a fait, non? OK. On peut bien y aller dans la recette. OK. Et après, ajouter 1 cuillère de plus, comme on dit, de vinaigre. Bon, OK. Fait qu'on ajuste. Et de sel. On peut, une fois que toute la pâte, la base et l'eau de les mixtes, on peut l'ajouter le goût plus fort au tout. Ben oui, vous goûtez. À chaque. C'est ça. Les bases, c'est fait déjà. Oui, ouais. C'est ça. La base, elle est là. Et puis après ça, ben vous ajustez au goût, tout simplement. Hein? Merci beaucoup, Margot. Vous êtes bien fine. OK. Alors là, Miguel est en train de couper des pommes. C'est vrai que le petit goût surette. Puis en plus, c'est des pommes. Nous, ce qu'on achète, c'est la Pink Lady. Je sais qu'au Québec, on l'a aussi. Le petit goût surette avec la gazpacho, c'est délicieux aussi, hein? Hey, si j'ai hâte. Oh! C'est moi qui goûte, hein? C'est toujours moi qui goûte, la goûteuse, c'est moi. Bon. Alors, c'est mon tour? Aussi? Oh non. Ah oui? OK. On tourne ça de bord. On a-tu un masque, Miguel, pas loin? Tu peux-tu aller m'en chercher un, si t'as une minute? Parce que... Oh, ben... Oh! C'est pas chaud, fait que je suis correcte pour une fois. Moi, j'aurais rajouté un peu de sel. Mais là, on peut l'ajouter dans le... C'est ça. Tu vois, c'est là qu'on peut ajouter. Masse vinaigre? Un peu de vinaigre puis un peu de sel. Tu vois, c'est le goût de chacune. Ouais. Moi, je laisse ouvert à la recette avec les ingrédients qu'on est garantisé que ça va être pas salé ni pas trop goûteux avec le vinaigre ou le citron. Parfait. Une fois qu'on fait le mélange, la base de la gazpacho, n'oubliez pas qu'il y avait un pépino inclus, donc moi je ne l'avais pas. C'est parce ça. Que c'était quand même prévu. Ouais. Et je ne l'avais pas dans la maison. Mais ça, c'est la base. Une fois, on ajoute plus de sel, de piment, pimienta, ou bien d'aceite d'oliva, ou de vinaigre, ou de citron. On ajuste. OK. Mais moi, ma idée personnelle, avec le pain, ça sort mieux qu'avec les amandes. OK. Mais il y a des personnes avec les gluten et toutes ces histoires que peut utiliser des amandes. D'accord. Aussi, on peut utiliser l'opinion de pain. OK. En passant, les concombres, Joanne, là, nous, on n'en avait pas. Mais oui, quand on en a, c'est préférable de le mettre. C'est beaucoup plus frais, puis c'est rempli d'eau. Puis Laurent, j'ai vu passer tantôt le commentaire. Garnigal va rajouter un petit peu d'eau dedans, puis on va l'ajuster un petit peu, là. Alors, est-ce qu'on doit éplucher le concombre, Miguel? Certainement, si, hein? Si. On doit éplucher, Laurent, OK? C'est là, ça l'amargo. C'est ça. Miguel, il avait enlevé son couteau. Ça coupait pas fort. Non, Diane, on enlève la pelure. Ah,
OK. De voir la couleur, ça change. Ouais. Tu vois? Je peux y regoûter? Oui. OK. On va changer le... C'est pas vinaigre. Ah oui, c'est vrai, là, c'est le temps du vinaigre, parce que sinon, on aurait ajouté de l'eau. Bien, souvent, il y a des recettes qui sont vraiment... puis probablement tamisées aussi, Miguel, hein, de la tamiser. Ça, en tout cas, ça dépend des goûts. Mais je vous dirais que la plupart des gens la tamiseraient parce que beaucoup n'aiment pas avoir les petits motons, comme on dirait, là, des amandes et puis tout ça. Ah, tu la repasses, OK. Attendez. Marie-Josée m'a dit, Miguel, est-ce qu'on peut remplacer une partie de l'eau par du jus de tomate? Je pense que non, hein? Le jus de tomate, c'est pesa mucho. C'est ça, ça vient plus épais, Marie-Josée. Non, je vois qu'on ne sait pas. Non, puis le goût devrait sortir. Vraiment, comme on serve le raspacho froid, 30 minutes au réfrigérateur, elle est en train de manger la température parce qu'on n'a pas le temps d'attendre 30 minutes. Ouais, ouais, sinon, ouais. On le faisait en gravation, on faisait pas en direct, mais on aime le faire en direct. Le gaspacho a besoin d'être comme au minimum 30 minutes de le friseur. Totalement. Comme au minimum. Et on le prend toujours froid, parce que c'est une soupe froide. D'accord. Pas une soupe de température ambiance. D'accord. OK? Le vinaigre, Margot, nous, on a du vinaigre de cidre. De bino, mais si tu as du vinaigre de blanc ou du vin de Jerez, ça fait la peine. Généralement, le gaspacho, il a un goût fort, pas fort, mais plus fort que normal à le vinaigre. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Et ça veut dire que si vous avez le goût de le vinaigre, pas trop fort, ajoutez le vinaigre jusqu'à votre goût. Hein. D'accord. Moi, je le fais, les recettes, à un goût plus doux. Pourquoi? Parce que plus doux. Parce qu'on fait avec des personnes qui n'aiment pas trop la sel, l'autre qui n'aime pas le vinaigre. Ça veut dire que c'est une recette principale. Avec des ingrédients pour être une recette douce. Okay. Mais moi, je l'aime plus fort, avec des vinaigres, plus de vinaigre. Il faut dire que le vinaigre, en été, ça hydrate beaucoup. Beaucoup, hein? Oui. C'est un hydratant. Voilà. Alors là, je goûte à l'autre batch qui a été passé avec un petit peu plus l'autre. Ah oui. Là, ça, là. Attendez un peu. On va revirer la caméra de bord. Que vous me voyez la bête. Si je tombe pas à terre, vous êtes correct. Ah ben là, par exemple. Oui, monsieur. J'adore. Là, ça goûte un peu plus. Là, c'est plus punché. C'est parfait. Ouais. Génial. Chef, c'est-tu terminé? Pense que oui, la salade que la veille à votre esquive. Oui, on va faire le tour de nos plats. Oubliez pas, hein, c'est bien important, la gazpacho, faites-la réfrigérer. Parce que, juste comme ça, moi je la trouve très bonne, parce que je sais que... Mais quand c'est froid, c'est tellement, ça rend tellement bien. OK? Fait que gardez bien. Un petit truc de gazpacho. Attendez, je revire de bord. Miguel veut vous dire. C'est qu'une fois que vous faites la base épais, une masse épais, après on ajoute pour servir de l'eau. Mm-hmm. Et chaque personne a son sel, son vinaigre et son feuille d'olive dans la table pour ajouter chacune à son goût. Génial. Mais n'oubliez pas qu'à la base épais, on les met de l'eau à peu près gelée. De l'eau très froide. Très froide. Oui. Pas avec des coupes. Cubos de hielo, sinon con un agua muy muy fría. Ouais. Et chacune met à son goût. Puis aussi, Miguel, il y a un autre truc, je pense, on appelle ici en Espagne avec su guarnición. La gazpacho peut venir avec des petits morceaux de légumes, de piment, voilà. Et on ajoute à la gazpacho ce qui nous. Puis vous l'ajoutez déjà à votre base. Oui, OK? Fait que c'est une autre affaire. Fait que Miguel va y goûter. Tiens. Si elle était froide, ce serait... Mais très bonne. Celle-là, vraiment bonne, hein? Ouais. Vraiment, vraiment. Fait que c'est nous autres qui va se régaler ce soir. Alors, regardez la belle salade d'été ici, d'orange, d'anchois. Ou si vous n'avez pas les anchois, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rajouter du saumon fumé. C'est délicieux avec ça aussi, hein? Alors, voilà.
Donc, préparez-vous, les amis. Vous savez, c'est quoi le mot de passe? Là, j'ai pas de masque à m'apporter présentement parce que je l'ai laissé dans le bureau en arrière. Alors, écoutez bien. Le mot de passe pour gagner un masque aujourd'hui, ça va être j'adore CDS Travel Tour. Je me fais des accrocs, tu sais. Alors là, je vais vous laisser le temps d'écrire j'adore CDS, puis il faut que ce soit bien écrit. OK? Alors là, je regarde pas. On fait la bonne vieille méthode. Je vais juste repartir ma musique. Fait que je regarde vraiment pas les amis, les chiens dessus, vous les entendez, hein? Bon. Alors, le mot de Cambronne, j'adore CDS Travel Tour. Le premier que je vois, puis il faut pas que vous ayez déjà gagné. Si vous avez déjà gagné, c'est certain qu'on va laisser la chance à d'autres. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je me tourne à 1. 3, 2, 1. Et le premier que je vois, c'est celui-là qui gagne. Céline Rabhi. Bravo, félicitations Céline. Ça me fait plaisir Céline. Alors, vous allez m'envoyer votre adresse en privé sur Messenger. On va se retourner de bord parce qu'on a un reflet avec la lumière. Et merci pour toutes les autres d'avoir participé. Merci de me dire que vous m'aimez. Mais pas moi, mais CDS. On a le droit de rêver. Alors, c'est des blagues. Donc, j'espère que vous avez apprécié la recette aujourd'hui avec Miguel. C'est quelque chose d'été. Alors, puis que vous allez le faire. Et j'aimerais savoir, avant de quitter, est-ce que vous avez fait la recette la semaine passée? Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée? Des patates bravas. Patatas bravas. Est-ce qu'il y en a qui l'ont faite? Alors, vous m'enverrez des petits messages pour me dire si vous avez fait les patates et la sauce qui allait avec ça. Alors, ça me fait plaisir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube. Partagez les vidéos, partagez tout ça pour que les gens nous connaissent davantage et puis aussi qu'on puisse avoir le plus d'audience possible. Mm-hmm. Monsieur Chavez, vous avez la parole. Non, c'est le dernier mot. Je vous remercie toutes pour la compagnie. Pour nous, c'est un plaisir d'avoir votre compagnie toutes les semaines. Ça nous fait être occupés, à part de notre marche qu'on fait tous les jours, dans les environs de nager, marcher sur la barre de la non, le passeur maritime. Oui, la promenade maritime. Mm-hmm. Mais c'est sûr que vous remplissez une partie du dimanche que deux fois on est. Parce que c'est certain que c'est pas juste le temps qu'on fait notre présentation, on se prépare un petit peu d'avance. Oui, oui. OK, alors donc là-dessus, merci beaucoup. Je réponds à vos courriels un petit peu plus tard ou vos messages sur Messenger. Félicitations à Céline Rabhi pour son masque. J'attends ton adresse, Céline, et puis je vais t'envoyer ça dès demain. Ça va partir demain, compte un mois. Il y en a que ça prend... Il y en a des fois jusqu'à 6-7 semaines, là. Ça dépend... Ouais. Jusqu'où loin on vit. Mm-hmm. N'oubliez pas, prudence. Ouais, comme d'habitude. C'est pas fini encore. Non. On est très très proche à. On s'approche du bon temps. Avec les vaccinations et un peu de patience et c'est tout. La patience. On va être ici pour votre retour, c'est tout. On a-tu de la patience, vous pensez? On n'a pas le choix, comme tout le monde. Allez, santé. Bonne journée. Ciao. Et bonjour de l'Andalousie. Au revoir. Je vous donne des nouvelles la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qu'on va faire. OK. Bye. Ciao. Ciao.